Christ, notre rocher, ont coulé des flots d'eau vive. Venez puiser aux sources du salut. Du Christ, notre rocher, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire
qui me soutient et par lequel j'accomplirai tes merveilles. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Psaume 68. Il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que Dieu, car les hommes sont entrés jusqu'à l'âme. J'enfonce dans la bourbe le gouffre, rien qui tienne. Je suis entré dans l'abîme des eaux et les flots me submergent. Je m'épuise à force de crier, ma gorge brûle. Mes yeux sont consumés. Que les cheveux de ma tête, ceux qui me nuisent sans cause, et plus foisonnant que ma chevelure, ceux qui m'en veulent sans raison. Cela que je n'ai pas dévoué, il me faut le rendre. Ô Dieu, tu sais ma folie, mes offenses te sont connues. Qu'il ne rougisse pas de moi ceux qui t'espèrent, Seigneur Sabaoth. Qu'il n'ait pas honte de moi ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage. Que je suis un étranger pour mes frères. Car le zèle de ta maison me dévore, l'insulte qui t'insulte tombe sur moi. Que j'afflige mon âme par le jeûne, et l'on m'en fait un sujet d'insulte. Que je prenne un sac en vêtements, et pour eux je deviens une fable. Le compte des gens assis aux portes, et la chanson des buveurs de boissons fortes. Et moi, t'adressant ma prière, Seigneur, au temps favorable, en ton grand amour, réponds-moi, ô Dieu, en la vérité de ton salut. Tire-moi du bourbier que je m'enfonce, que j'échappe à tous mes adversaires. Que j'échappe à l'abîme des eaux, que le flux des eaux ne me submerge. Que la bouche de la fosse ne me happe, que le gouffre ne me puisse dévorer. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il n'y a plus de Pardon.
grande tendresse, regarde-moi. À ton serviteur, ne cache point ta face. J'étrangle vite, réponds-moi. L'insulte m'a brisé le cœur, ma honte et mon affront sont sans remède. J'espérais la compassion, mais en vain, le consolateur, et je n'en ai pas trouvé. Ténèbres pour ne plus voir, fait qu'à tout instant leur rein leur manque. De verre sécher ton courroux, que le feu de ta colère les atteigne. Que leur enclos devienne un désert, que leur tente soit sans habitants. Ils s'acharnent sur celui que tu frappes, qui rajoute aux blessures de ta victime. Charge les torts sur toi, qu'il n'ait plus d'accès à ta justice. Qu'il soit rayé du livre de vie, retranché du compte de juste. Et moi, pour mes blessés, que ton salut Dieu me redresse. Cela plaît à Dieu plus qu'un taureau, qu'une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles et jubilent, chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. Que la clame du ciel et la terre, et la mer, ce qui vit. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. La lignée de ses serviteurs en hérite et les amants de son nom y demeurent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Cantique d'Isaïe, page 300. Crie à pleine voix sans contrainte, élève la voix comme le cor. Révèle à mon peuple ses péchés et ses fautes à la maison de Jacob. Il me cherche jour après jour, il désire connaître mes chemins. Comme si pratiquaient la justice, sans oublier le droit de leur Dieu. Ils s'informent près de moi des lois justes, ils désirent que Dieu se fasse proche. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas, nous mortifier si tu l'ignores? Oh, les jours de jeûne, vous traitez des affaires, et vous opprimez. Vous gelez dans la dispute et la querelle, en frappant le pauvre à coups de poing. Ce ne sont pas ce jeûne-là qui feront la haut entendre vos voix.
Et c'est là un jeûne qui me plaise, un jour où l'homme se mortifie. Courber la tête comme un jour, s'allonger sur le sac et la cendre. Et c'est là un jeûne qui me plaise, un jour agréable au Seigneur. Rendons gloire au Père tout puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 98. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as Le Seigneur est roi, les peuples tremblent. Il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples. Il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui est puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exalté le Seigneur, notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu est saint. Moïse, Aaron, parmi ses prêtres, et Samuel, appelant son nom, on appelait au Seigneur. Et lui, Dieu le répondait. Dans la colonne de lui, il paraît avec eux. Regardez ce témoignage de la loi qu'il leur donna. Lui, le Seigneur et leur Dieu. Seigneur, notre Dieu, toi, tu le répondais. Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu t'es vengé de leurs méfaits. Exalté le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. De Saint Basile au IVe siècle, c'est Dieu qui a mis en nous le désir d'aimer. L'amour envers Dieu n'est pas matière d'enseignement, car personne ne nous a enseigné à jouir de la lumière, à aimer la vie, à chérir ceux qui nous ont mis au monde ou qui nous ont élevés. De même, ou plutôt à plus forte raison, le désir de Dieu ne s'apprend pas par un enseignement venu de l'extérieur. Dès que cet être vivant, c'est l'homme que je veux dire, commence à exister, une sorte de germe est déposé en nous qui possède en lui-même le principe interne de l'amour. C'est à l'école des commandements de Dieu qu'il nous convient de l'accueillir, de le cultiver avec soin, de le nourrir avec intelligence
et par la grâce de Dieu de le conduire à sa perfection. En recevant de Dieu l'ordre d'aimer, nous avons reçu dès notre origine l'aptitude à l'aimer. Cela ne nous est pas démontré par des arguments extérieurs. Chacun peut l'apprendre par lui-même et en lui-même. Nous désirons par nature ce qui est bon et beau, bien que la même chose n'apparaisse pas bonne et belle à celui-ci et à celui-là. Nous n'avons pas besoin qu'on nous apprenne à aimer nos parents et nos proches, et c'est spontanément que nous accordons notre bienveillance à ceux qui nous font du bien. Or, je vous le demande, y a-t-il rien de plus admirable que la beauté divine? Que peut-on imaginer de plus digne, de plaire et de plus agréable que la magnificence de Dieu? Y a-t-il un désir fort et violent comme celui que Dieu inspire à l'âme purifiée, purifiée de tout vice et qui s'écrit sincèrement « Je suis blessé d'amour » Les splendeurs de la beauté divine sont inexprimables et indescriptibles. Jérusalem, Jérusalem, retourne, Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa main. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tout le commandement. Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.
Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. C'est le nom juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchi de la crainte, et délivré des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Ce n'est pas du fait saint nuptial que je languis, mais du désir de l'époux. J'attends avec toi ta puissance, je me confie en ta main, ô Tout-Puissant. Glory.
sur la terre, Trinité sainte qui es un seul Dieu, gloire à toi. Nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Réponds ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions refrener nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce.